mettre en valeur ce thème. Alors je me suis dit qu'à mon avis, s'ils m'ont appelé, c'est comme quand on appelle quelqu'un quand on est malade, on appelle un docteur et on dit quoi de neuf docteur. Alors j'ai eu la chance de faire une série de conférences en Australie, de faire récemment la Coupe d'Afrique des Nations, d'avoir été au championnat du monde à Séoul et donc de visiter un certain nombre de cultures d'enseignement du basket. Et je pense que c'est pour ça que Pierre a souhaité que je sois là, c'est pour vous dire, y a-t-il quelque chose de neuf en matière de tir? La réponse est peu. Qu'est-ce qui a changé? Les joueurs, le vieux coach que je suis, à peu près toujours le même, et des coachs comme vous, puisqu'il y a certainement, même si j'en vois des visages connus, il y a des jeunes coachs qui ont envie d'enseigner un geste de tir qu'il faut distinguer entre la gestuelle du tir et être adroit au tir, l'un n'allant pas sans l'autre. Les deux grandes composantes du tir, ce sera la mise en œuvre d'une chaîne motrice qui amène un objet sur des rails, qui sont les rails qui le mènent au cercle, et cela ne peut se faire qu'avec l'accrochage visuel de la cible. Le tir, la mise en place d'une chaîne motrice et la mise en place d'un accrochage visuel de la cible. Il y a au moins 30 ans, les Américains utilisaient pour enseigner le tir ou pour parler très rapidement du tir, je pense que certains d'entre vous le savent, la dénomination BEEF. BEEF, ça veut dire BEEF, B-E-E-F. Balance, B, ça voulait dire l'équilibre. Eye, les yeux, l'accrochage visuel. Elbow, le coude. Et follow through, ça veut dire suivre son geste de tir. À part que, mais je ne suis pas au fait de toutes les dernières recherches, peu de choses ont changé sur l'apprentissage du tir. L'équilibre de la prise d'appui et de la tenue de balle, l'alignement du regard, du coude et la finition qu'on appelle le follow-through. Les Australiens ont choisi, mais eux sont dans des formats très 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 autoritaires. Le DTN fait tous les pôles et dit le tir, on l'enseigne comme ça. Et donc, la seule chose que je sais, moi, vous dire qui a changé, c'est que du follow-through, où d'ailleurs on parlait d'un certain lâchement en fin de tir, les Australiens ont développé ce qu'on appelle le lock-through. Lock voulant dire verrouillé. Donc, c'est un des grands changements, ou en tout cas une des grandes options, puisque la deux philosophies sur le lâcher de balle et la finition sont en place, le follow-through et le lock-through. Est-ce que vous m'avez entendu? Donc, vous, en tant que joueur, vous allez tout de suite aller sur le terrain, vous allez bien m'écouter, je vais vous demander, vous pourrez aller chercher les ballons qui sont pour les ateliers, vous pourrez les remettre après, vous essayez de pas faire bouger les balises, et vous allez prendre des tirs. Un qui prend le tir, l'autre qui fait le rebond et qui lui passe. 5 tirs chacun, changement, 5 tirs chacun. Vous allez essayer de vous concentrer sur deux choses. 1. Que votre ballon ait un angle de 45 degrés. 2. Que votre ballon tourne vers l'arrière. 3. Et là, c'est là que je veux voir tout de suite. Si vous êtes des joueurs, vous allez essayer de faire une série où vous allez faire des follow-through, c'est-à-dire vous allez tenir votre position, mais vous aurez plutôt fouetté votre poignet. Et la deuxième reprise, vous ferez toujours 45 degrés, mon ballon tourne vers l'arrière, mais je vais bloquer mon poignet. Comme ceci. C'est bon? 45 degrés, tourne vers l'arrière, fouetté, verrouillé. Ça va? Un ballon pour deux, c'est parti.
allez-y, 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 allez-y. Allez-y. Mon ballon tourne vers l'arrière. Il a un angle de 45 degrés. Je peux verrouiller mon poignet ou faire flotter mon poignet. Le plus vite possible. Et tant pis si parce que
Vas-y, j'ai les yeux aux atteintes. Ah, tant pis si ça doit vous arriver. Le plus vite possible, à peine de balle. Réception, il faut que vous mettiez les yeux au cerveau. Je reprends. Appel. Balle. Les yeux. 45 degrés. Rotation. Enverrouillé ou en fouetté. J'aimerais bien que les coachs, en plus je crois bien qu'ils veulent faire une cassette, voient vraiment que vous accrochez le panier du regard. Au moment. Balle. Que vous accrochez le panier du regard. Ensuite, 45, tour, c'est parti. C'est pour ça qu'on va faire des travaux de renforcement spécifiques.
ou avec ce qu'on appelle l'appui du tir, c'est-à-dire le jab. Regardez les difficultés qu'il y a en fonction des niveaux. On ne peut pas continuer parce qu'il vous manque le fondamental de base, en France surtout, que vous n'avez pas et que personne n'a, c'est que vous n'êtes pas assez fléchi. Donc nous allons faire une première reprise dite de flexion. Vous allez vous asseoir sur un banc chacune à votre tour. Je m'assieds sur le banc, j'essaie de trouver les appuis écartés et je me lève, mais pas plus que ça. Et ce sera la position qu'il faudra. Vous voyez, mes jambes, allez-y, il y a des bancs là, il y a des bancs là, il y a des bancs là-bas, vite. Je ne sais pas exactement quel coach vous êtes tous, il y en a que je connais. J'essaie de vous dire ce qui peut rendre à un moment donné des ateliers. Allez-y, hein. Là, mais pas tous ensemble assis sur le même banc, s'il n'y a peut-être pas la place pour tout le monde. Allez-y, vous pouvez le faire. Très bien. Si tu veux. Très bien. Si tu veux. Je ne vais pas donner des tonnes de corrections précises. Qu'est-ce qu'un coach qui veut marquer ses convictions sur l'apprentissage du tir, sur comment on joue ensemble? C'est quelqu'un qui fait des rappels réguliers sur le renforcement. La flexion, se fléchir en défense ou autre, c'est très difficile à obtenir chez nous. Ça peut être un petit jeu, ça peut devenir un jeu qui vient aussi la petite sanction. Stop, vous êtes en train de faire des exercices ici et non plus des exercices ici. Les bancs. Et ça sonne dans la tête des joueurs, parce que c'est ça aussi la pédagogie. C'est qu'un exercice parmi d'autres. Mais j'essaie de vous dire comment le va-et-vient pédagogique, pour être sûr que l'apprentissage du tir ne devienne pas une routine, car si c'est une routine, ça n'a rien à voir avec la recherche de la confiance dans le tir, la routine. La confiance, on verra, c'est autre chose, la confiance du tir. C'est bon ? On s'entraîne ? 3, 2, 1. Vous me faites alors très vite ce que vous allez faire, 4 tirs chacun. Maintenant, le même exercice, c'est plus comme ça comme vous faisiez et que vous étiez droit sur les jambes. C'est là. Balle. Normalement, vous avez dû attendre que je dise balle. Accrochage. Montée. 45 degrés. Rotation arrière. Tenir. Ou balle. Ici. Mais vous commencez à fléchir. Deux tirs sur un appui, deux tirs sur deux appuis chacun, et je vous rappelle en centrale. Fléchis, fléchis, fléchis au départ, tu n'es pas fléchi, fléchis, fléchis avant la voilà, très bien les grands. Là, je crois décoller les appuis si tu y arrives. Hein. Tu peux décoller les appuis si tu veux. Bien. Vous avez le bon 4 tirs chacun. Allez. Pour les coachs, vous savez que autant de joueurs, autant de façons de s'approprier l'exercice que vous avez donné. Donc, vous donnez des lignes de travail, vous donnez des lignes de conduite, mais là, il y en a qui réalisent différemment que d'autres. On ne peut pas tout arrêter sous prétexte que sur un groupe de 20, il y en a deux qui. Donc, laissez faire, acceptez que certains avancent à un rythme différent. La seule chose que vous vérifiez, c'est une concentration sur ce que j'ai demandé. Un minimum d'intensité. Si je suis dans l'apprentissage, hein, si je suis dans le jeu, c'est autre chose. Donc là, j'ai encore des joueurs
qui ont l'air d'être concentrés sur la consigne, qui lui donne à peu près l'intensité qu'on attendait. Top, on s'en va, 3, 2. Maintenant, l'exercice est exactement le même. Attends, je n'ai pas blâmé. Balle, les yeux, et maintenant je vais lancer une jambe et tirer. Soit la jambe gauche, soit la jambe droite. J'en ai vu qui restait, c'était pas ma première démonstration, hein. J'en ai vu qui restait après ici, vous voyez, vous faisiez simplement ceci et vos pieds ne décollaient pas. Si vous avez de la puissance, il y a des cadettes, il y a des garçons qui sont commencés à être costauds. Si vous avez la puissance, vous avez le droit de sauter et lâcher. Pareil sur un appui. Vous voyez, vous n'étiez pas obligé de rester les pieds au sol. Attention, on vient de voir deux appuis, hein. L'un pied et ça. On voit maintenant deux autres appuis. Gauche, droite, 45 degrés, rotation, finition. Ou droite, gauche, là. Et quoi, attendez, c'est pour les copains. Quand on va faire la chaîne de tir, quand je suis droitier, j'ai un bras tireur, vous voyez, c'est le bras droit, et j'ai un pied tireur, c'est quel pied? Donc regardez, quand vous faites une prise d'appui gauche-droite, ou droite-gauche, quel est le pied qui est toujours légèrement plus devant? Mon pied tireur. Si je suis gaucher, c'est la même. C'est beaucoup de concentration, mais c'est parce que je vais donner beaucoup de consignes au coach. 1. Attendez, je rappelle tout. Ce sera dur pour vous, parce que peut-être, il y en a marre de vous les citer. 1. L'appel. Balle. Les yeux. Je vais shooter 45 degrés, rotation. Ça, ça. Maintenant, gauche, droite. Est-ce que je demande le ballon droit comme ça? Autrement, par l'exercice chaise. Là. Bal. Regarde. Tac, tac. Tac. Tant pis si ça fait au début, pas très. Tout enchaîné. C'est bon? Droite, gauche, gauche, droite. Allez! Attention, 45 degrés. Le ballon tourne vers l'arrière. Fouettez. Ou verrouillé. Il y a plutôt un très très bon niveau de démonstration là, hein. Je pense que vous n'avez pas tous autant de chance. Ce serait parfait. Parce que là, il y a quand même un. On va dire qu'il y a eu un très bon coach qui a bien installé, mais ça ne suffit pas quand même. Hein. Là, il y a des bons joueurs en démonstration. Hein. Est-ce que vous voyez les ballons tourner vers l'arrière? Est-ce que vous voyez des angles à peu près à 45 degrés? Est-ce que vous voyez des verrouillés ou des fouettés? Top! On s'en va. Sans, je rappelle les consignes, hein, parce que c'est le dernier refus sur ce petit exercice dit de mise en place de ce qu'on appelle le tronc commun, parce qu'il en faut un quand même, hein. Vous devriez tout savoir et vous avez un bon niveau. Maintenant, quand vous recevez la balle, c'est plus gauche-droite ou droite-gauche, c'est les deux appuis qui sautent devant. 45 degrés, soit fouetté, soit verrouillé, et on enchaîne. De toute façon, c'est. Quelles sont les deux seules positions de fin de tir que j'ai autorisées?
fin du tiède, qu'est-ce que j'ai des coïts? Ça pouvait se terminer comment? À la fin, ça c'est le début, ça, c'est les appuis. Qui c'est qui peut me dire les deux possibilités que j'ai demain? Vas-y, montre-en une. Comme ça. Qui c'est qui voit l'autre? Vas-y. D'accord. Donc, non mais, c'est pas grave, ce soit pas bien. Aucun d'entre vous n'a le droit de finir son tir avec les bras en bas. Ok? Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc attention, parce que là, on va plus s'amuser du tout. Vous devez rester concentré. Vous avez que deux choix à la fin de votre tir. Finir en fouetté ou finir en verrouillé. Il faut tenir votre position. Ça va? Allez, en place. Bon, pour les coachs, vous savez que je ne suis pas un gars très rigolo et que vous savez que vous avez les moyens d'être en deux, des moyens pédagogiques moins autoritaires, moins sérieux, moins etc. Ceci étant, il y a une chose qui est certaine. Vous ne pouvez pas tomber en dessous d'un certain niveau d'exigence, qui que vous soyez. Et l'exigence qui consiste à dire tenir sa position, peu importe si ce n'est pas une bonne, hein, c'est une exigence minimum. Autrement, vous êtes des coachs de garderie, sans méchanceté. Si vous êtes des coachs qui voulaient faire emprunt sur le tir, il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas transiger, c'est tenir sa position. Il y a un dribble. Ok, top, en centrale. Merci, surtout d'être si gentil avec moi parce que les séances elles ne se passeraient pas comme ça. Les coachs savent que c'est un travail qui. C'est des fondations et qu'on répéterait en début d'échauffement. Soit, pour les coachs, on va donner un petit break aux joueurs, ce qu'on appelle cette approche globale, où on s'assure qu'il y a un travail de prise d'appui, un travail de prise de regard avec appel, un travail de lâcher de balle avec tenir sa position. C'est le minimum. Quand on a ce minimum, posez vos ballons. C'est allez, 30 secondes de pause de boisson ou de souffler, pas moins d'écouter parce que vous en avez marre, dégagez, je peux vous voir, et revenez, si vous avez besoin pour un coup. Et donc, la deuxième partie que je vous propose, qui fait partie des choses quand même, que je considère un très grand retard dans le basket français, c'est que nous n'avons pas du tout, je ne parle pas du haut niveau, hein, les élites font ça très bien, nous n'avons pas du tout la conviction du renforcement musculaire. Sous des prétextes qui ne s'entraînent pas beaucoup, sous des prétextes que je ne connais pas, car tous les pays que j'ai visités, je parle du système scolaire bien entendu, je ne parle pas du système élite, font très vite du renforcement, parce que vous ne pouvez pas avoir une gestuelle de tir si vous ne renforcez pas les chaînes motrices qui vont avec. Donc je vais vous proposer des exercices basiques de renforcement, soit du train supérieur, soit du train inférieur. Quand je dis qu'ils sont basiques, c'est que vous n'avez aucune excuse de dire que je ne peux pas les mettre en place dans mon gymnase ou dans ma salle, parce qu'il n'y a aucun matériel qui coûte cher ici. La seule excuse que vous auriez, c'est de dire « moi, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas qu'il faut faire du renforcement. » Parce qu'une des choses qui a changé, et vous auriez le droit de me répondre ça, c'est que les joueurs d'aujourd'hui sont plus athlétiques que les joueurs d'hier. Et quel est le problème, et ça on va le traiter après, c'est que plus un joueur est athlétique, plus c'est difficile pour lui de se relâcher d'un tir. C'est-à-dire qu'au moment où on a gagné en qualité athlétique de nos joueurs, on a perdu en qualité d'adresse parce que se relâcher pour des gens très puissants, très toniques, très athlétiques, c'est plus dur. Alors les joueurs, vous prenez les ballons qu'il vous faut, et je vais me déplacer chez vous, vous attaquez tous vos ateliers de renforcement que je vous ai démontrés. C'est parti, essayez de rester sérieux, maintenant vous avez votre phase de repos, vous allez à vos ateliers de renforcement. Ici, renforcement des bras de la chaîne de tir, ici des appuis de la chaîne de tir. Allez-y, hein, vous pouvez vous mettre en travail,
je vais passer. Première chose que m'ont dit des joueurs ici, c'est que quand je leur ai donné une corde à sauter, ils m'ont dit mais on ne sait pas sauter à la corde. Donc ça c'est inimaginable. Puisque le saut à la corde, c'est la base de la coordination bras-jambes. Donc si effectivement vous n'avez pas de corde à sauter et que vos joueurs ne savent pas sauter à la corde, un minimum, voilà, ce n'est pas la peine de penser qu'ils auront des enchaînements d'appui. C'est la base, ça se fait, de la coordination bras-jambes. Donc l'idée, c'est de sauter à la corde sur place, en avant, en arrière, ou en avançant, il faut des heures de saut à la corde. Vous ne pouvez pas y croire, je vous dis, là, c'est un docteur qui vous parle. Ah, si vous voulez soigner vos joueurs, le médicament, c'est la corde à sauter. Là, on est sur les exercices de renforcement des appuis. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Sans pour l'instant même parler de l'alignement, ce qu'on appelle la position de base. On a deux joueurs ici, allez-y travailler, qui font des prises d'appui alternatifs. Qui font des prises d'appui alternatifs, ou tout à l'heure qui vont faire des prises d'appui simultanées avec un pré-appel. Ici, on a des joueurs qui utilisent ce qu'on appelle, enfin ils ne le font pas très bien, parce que c'est pas ça que j'ai demandé, pour le jab. S'habituer à griffer pour le piqué de la jambe. Ici, on a des gens qui travaillent les vrilles, puisque dans les évolutions du jeu, sur sortie d'écran, sur pas mal de situations, les joueurs étant plus athlétiques, ils sont capables de recevoir des ballons et d'être dans les vrilles. Tout comme ici, on est plutôt purement dans du renforcement, mais là, vous verrez qu'ils ne vont pas s'amuser dans ma part parce que c'est assez fatigant et ils ont le temps d'en faire. Donc l'esprit de ces ateliers-là, c'est du 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération quand on est un ballon pour deux. Ou, quand ce n'est pas trop intensif, c'est le coach qui décide de la durée des ateliers. C'est-à-dire que maintenant, je dirais stop. Mais ils ne connaissent pas, on ne va pas le faire, hein. Stop, et vous, vous passez à cet atelier-là. Si vous les connaissez, allez-y. Changez tous d'atelier dans le sens des aiguilles du monde. Ok, pour les appuis, on arrive aux exercices. Vous faites votre rotation sur les bras aussi. Alors, pour les bras, il y a un atelier qui n'est pas démontré, qui est important, c'est que la musculature des doigts est très importante. Et donc, il y a un exercice très simple. Fait comme ça. Comme ça, et surtout comme ça. Là, tendu, tendu, droit. Tendu. Voilà, comme ça. Tu vois, tu vas pas bouger avant. Voilà. Pour les doigts, hein, c'est pas compliqué. C'est simplement de demander à des joueurs, voyez, sur la pointe des doigts, d'aller jusqu'ici et de remonter. Il n'y a pas besoin d'effort beaucoup, là. Là, ça et ça. Sur tous les travaux de renforcement. Tu sais ce que tu as fait ? T'es avec lui ? T'es avec elle ? Bon. Ici, très bien. Ici, ça, je prends ta place. Voilà. Ici, c'est le travail de spécifique de renforcement du poignet. Vous ne pouvez pas demander d'avoir des fouettés de poignet et de penser que c'est un don du ciel d'avoir ou pas un bon fouetté. Donc, avec medicine ball ou pas, vous devez faire travailler dans tous les sens, dans tous les sens, cette articulation fondamentale au basketteur, qu'est le poignet. Avec medicine ball ou avec. Et quand vous commencez à monter au niveau, ce sera le même exercice avec les charges lourdes. Tu fais ça ? Je jette le bâton. Je lance et voilà. Tac. Voilà. Et on essaie de se tenir qu'à une main. Donc voilà des petits exercices. Ça fait un petit medicine ball ou un ballon. Ou assis. Et un petit travail de force sur le bras pour l'alignement du coude qui va être fondamental quand on va revenir sur la description des ateliers moteurs. Là, c'est toute la chaîne des avant-bras outils, ici, et des poignets. Et là, c'est aussi la chaîne des avant-bras du pied. Continuez, enfin, faites vos rotations. Rotation les autres là-bas. Merci.
comme ça vous découvrez les nouveaux ateliers. Alors, quelle est notre conception actuelle de l'entraînement? C'est qu'on ne rentre pas tout de suite à l'entraînement en France. C'est-à-dire qu'il faut une sorte, sur un entraînement de 1h30, il faut 20 minutes d'échauffement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est 20 minutes de joyeuse récréation pour que les joueurs prennent le temps de se concentrer, ou 20 minutes pour essayer qu'ils rentrent dans le thème, ou que leur muscle soit soi-disant échauffé. J'ai constaté, et je vous dis, que chacune des séances d'entraînement que vous allez faire peuvent commencer par tous ces exercices-là, sans que vous fassiez des traumatismes musculaires ou de je ne sais pas quoi, et j'ai essayé de vous faire comprendre toute la séance, et vous là-dessus, sur concentration, pour mise en application des consignes, avec une intensité. Aujourd'hui, ça discute un peu, mais c'est correct. Ce sera quand on le fera pour la 150e fois, puisque tous les mardis d'entraînement, tous les mardis d'entraînement pendant toute mon année de Benjamin, on attaquera par ces ateliers de renforcement. Ce n'est pas un problème de coach, c'est un problème de joueur. Ça veut dire que les joueurs, je sais que c'est... J'insiste bien, je suis là pour vous parler d'apprentissage, pas de comment on s'amuse ensemble du basket. Hein. C'est vraiment du renforcement pour que les jeunes progressent. Ils arrivent, il y a une petite récréation, la récréation est terminée, et maintenant, c'est travail. Si maintenant, regardez la télévision, regardez s'ils sont concentrés sur les appuis, parce que lui, s'il voulait, il pourrait faire semblant de faire n'importe quoi sur là. Regardez comment ils sont là-bas. Regardez si ça travaille ici. Je pourrais dire que 10 minutes viennent de se passer et que je peux commencer ma séance d'entraînement. Parce que vous voulez vous poser la question, parce que c'est pour ça que je suis là, c'est comment on fait l'apprentissage du tir au quotidien d'une saison sportive où on s'entraîne que 2 ou 3 fois par semaine. Pas quand on est à l'INSEP, comme j'étais, où là, vous avez une séance de tir tous les matins. Ça, c'est la rigolade, ça. J'essaie de vous donner 2 repères. Attaqués par des ateliers dits de renforcement, plus ils sont forts, plus vous augmentez les charges, y compris ici. Très bien. Rotation, la dernière. C'est parti. Et donc, le coach devient un superviseur de la motivation qui est constatée de progresser ensemble. Je pense que certains exercices mériteraient, en fonction des niveaux, petite adaptation. Je pense que leur mise en place, vous pouvez la faire si vous avez la conviction qu'il faut attaquer par quelque chose de concentration, application, un peu d'intensité. Et là, il n'y a pas grand-chose. Normalement, on tient les 2 bouteilles en place ensemble. Bien entendu, les deux. Voilà. 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 Donc, si vous avez plus envie de faire ça, vous mettez d'autres charges et vous faites travailler. Un vieux coach comme moi, il sait qu'il parle trop et qu'il n'écoute pas assez les joueurs. Qui se rappelle les consignes que j'ai données sur le tir en début, quand on a commencé? Qui se rappelle d'une des consignes que j'ai données? Ouais, attends. Appel de balle, une. Comment on l'a fait, l'appel de balle? Avec les mains et la voix. Bas. Être fléchi. Ouais. Ballon à 45 degrés. Attends, t'as déjà dit. Fouetter. Ou verrouiller. La balle qui tourne vers l'arrière. Qu'est-ce qui se rappelle des différentes prises d'appui que je vous ai demandé d'avoir? Vas-y, refais. Ouais.
heures après prison. Ça, c'est quoi pour vous? Ça s'appelle comment, ça? Alternative. J'ai demandé une prise de vue où elle faisait comme ça, ou j'ai demandé devant? Devant. Aujourd'hui, j'ai demandé devant. C'est bien ce que tu as montré, mais je n'avais pas demandé de côté, mais c'est pas grave. Qui encore? Non, mais c'est les bons élèves, mais... Simultané. Ah, tout le monde, quoi. Il n'y a pas eu une autre prise d'appui qu'elle t'a demandé? Hein? Qu'on pique, qu'on a appelé les prises d'appui de plein pied. Ben, c'est pas mal. Pour les coachs, nous ne pouvons pas continuer d'être des coachs qui croyons distribuer des techniques ou des savoirs sans nous assurer que ce qu'on dit est entendu. Y compris si vous croyez qu'ils le font comme il faut pour vous faire plaisir, mais qu'ils ne se rappellent pas, ici, que c'est quelque chose qui s'inscrit. Donc vous ne pouvez pas être que des coachs de démonstration, vous devez être aussi des coachs qui vous assurez que... Merci. Alors, tous ceux qui ont le ballon, vous allez vous mettre face à moi, et tous ceux qui n'en ont pas, vous allez vous mettre avec quelqu'un comme un. Non, ici, parce que les coachs, je préfère que ce soit votre cas, vous êtes beaucoup plus beau que moi. Tous ceux qui ont un ballon, mettez-vous sur cette ligne ici. Et tous ceux qui n'ont pas de ballon, vous mettez à côté d'une fille qui a un ballon, ce sera chacun son tour de le faire. Écartez-vous. Écartez-vous. Voilà. Écartez-vous. 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 Voilà. Qu'est-ce qui, pour que les coachs me voient à peu près, on repart comme si vous étiez des tout petits. Et on va se rappeler qu'est-ce que c'est les conditions d'un bon tir. L'équilibre des appuis. Donc déjà, positionnez vos appuis, ils doivent avoir l'écartement à peu près de vos épaules. Si vous avez un pied tireur droit, le pied tireur est légèrement devant. Si c'est gauche, allez-y, faites-le en même temps. Hein. Ok? Un peu plus écarté, sauf erreur, fléchis. On va partir, là-bas, fléchis, j'appelle le tenu. Et on va déjà vérifier, voir si c'est équilibré, tout ça. Est-ce que vous pourriez rester longtemps, hein, semi-fléchi comme ça? T'es pas assez. Voilà, fléchis. Ouais. Écarte un peu plus tes appuis. Voilà. Maintenant, on va descendre et tirer la balle vers le côté. Bien. Et on va remonter et on va mettre la pointe de son coude et la pointe de son genou qui se regardent. Et on va regarder le cercle en disant je dois le ballon et le cercle qui est devant. On y va? Tac, tac. Allez-y, plusieurs fois. Sur quoi j'ai demandé de vous concentrer? La pointe du coude et la pointe du genou. Et il faut que je voie mon ballon, le cercle. Si je suis droitier, c'est le coude droit. Si je suis gaucher, c'est le coude gauche. Encore. Bien. Bien. Encore. Très bien. Alors, ce qui serait bien maintenant, c'est ce qu'on appelle les tirages de coude. Vous voyez? Que quand vous faites ça, vous tirez fort derrière et fort ici. Mais il faut comme ça monte plus haut, vous voyez, que cette distance-là. Fort, fort. Parce que c'est ça qui va donner de la force à votre tir. Allez, bon, très bien. Mais pas sur les appuis. Il ne faut pas que tu sois sur la pointe des pieds. On y va. Fort, fort. Pas sur la pointe des pieds. Allez. Bien. Non, non, non. Pour l'instant, ici, ben, il ne peut pas être au-dessus de la tête. Il faut qu'il y ait le ballon, le regard, le cercle. Non. Ça, c'est non. Ça. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Non.
Oui. Oh. Si tu me mets là, tu ne vois plus rien. Là. OK. Allez. Top. Pour parler du tir, comme pour parler de la défense, il y a ce qu'on appelle la position de base. Défensive, posez vos ballons. Vous allez voir que c'est exactement la même que la position de tir. Vos appuis, tout le monde peut le faire. Ici, descendez. C'est juste que la plus fléchie. Remontez. Attention pour les bras. Il faut que vos bras descendez. Remontez très fort vos bras dans une cheminée. Là. Et il faut qu'ils soient encore un peu fléchis pour que vous puissiez les tendre pour voler. Bon. Pour la position de tir, reprenez vos ballons. Il ne faut pas confondre la position de tir avec le geste de tir. Hein? Okay, la basic stance, c'est donc une position de base. Et donc la position de tir, c'est ceci. Vous savez qu'à plus haut niveau, parce que vous êtes tous des joueurs, des coachs hein, qui regardaient plus haut niveau, vous savez que le tir, c'est ceci, ceci, attention, là, et c'est ceci. Sauf que on fixe, on glisse la balle et on finit sa position. Quand on veut, deuxième méthode, on vient de voir la méthode globale, lâcher son ballon à 45 degrés, tenir sa position, etc. Là, on voit la méthode de découpage analytique, où on commence par voir ce bif de tout à l'heure, la position d'équilibre des appuis, la qualité de tenue de balle, position. Et maintenant, glisser sous la balle et finir le tir. Je vous demande juste, ça ne va pas être simple. Mettez-vous en position sous une voile. On repart d'ici. Est-ce que déjà j'ai fléchi? Ouais. Sûr? Voilà. Vous pouvez être fléchi très longtemps hein, quand vous voulez presque être. Tire la balle. Et maintenant, glisse-toi pour que ton coude soit passé devant le ballon et que cette fois tes yeux, tu aies le ballon au-dessus et le cercle là. Je recommence. La première, le ballon il est en dessous, le cercle il est là. Je glisse dessous, coude là, ballon, cercle. Allez-y, vous en faites plusieurs. Moi je suis droitier. Soit en ayant tiré la balle à gauche. Et ici, revenir, vous arrêtez là. Hein? Soit ici, là, là. Allez. Faites deux, trois passages, puis vous passez au suivant. On est dans un travail de coude. Balance, l'équilibre des appuis, les yeux, coude. Et il nous restera la finition. Vous avez échangé les... Allez-y, allez-y. Bon. Allez. Ligne de fond, la première vague, les joueurs pour un ballon. La deuxième vague, les joueurs sans ballon. Vite, 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 sans dribbler. 3, 2, 1, trop tard, de l'autre côté, tous les joueurs avec la balle devant, les joueurs derrière. 3, 2, 1, trop tard. Il faut arriver comme je dis, hein. 3, 2, 1. Mais où sont les ballons? Où sont les joueurs sans ballon? Et voilà, la joyeuse désorganisation, c'est comme ça qu'on a perdu Verdun. De ce côté-là, 3, 2, tant pis pour les pertes. Fléchis, là, règle. On est prêt? Regardez l'exercice. Mon ballon est ici, je me concentre que sur le tirage de coude. Vous voyez mon coude là, regardez, ça doit me faire un peu mal. Je vais avancer et faire ceci. Je vais avancer et faire ceci. Je vais avancer et faire ceci. Et attention, oh oh. Tu me refais plus ça, toi.
même si ton coach t'a dit ceci. On en parlera après, mais coach, l'enseignement de certains gestes, il n'y a pas une vérité qui a été prouvée scientifiquement. Je vous dis juste que c'est ma conviction que les joueurs qui sortiront de mon école de tir auront cette position de base. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est la vérité de mon école de tir. C'est bon? Passez-vous. Attention, vous avez les boulots parce que vous allez, vous pouvez tirer à gauche ou à droite. On est d'accord? Tirage, 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 pas plus haut que ça. C'est parti, la première équipe. Bon, allez. T'as la balle au-dessus de la tête, la gauchère. T'as la balle au-dessus de la tête. T'as pas la pointe de ton coude et la pointe de ton genou qui pointent ensemble. Quand tu tires vers l'arrière, c'est trop gentil. Tu tires toujours la balle à droite, tire-la à gauche aussi. Tire la balle à gauche. Tac. Tac. Vous revenez en courant, vous donnez la balle à vos collègues. Suivant. Regardez-moi bien les tirages de coude. Je peux tirer ici et tirer ici. Vous voyez, là, c'est vous qui vous obligez à vous arrêter. Bien sûr que vous pourriez aller ici. Mais on s'arrête là. C'est parti. Enfin, toi, je ne te vois même plus ta tête. Voilà, dépouille-toi pour que je te vois dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Merci, tu n'as pas de coude. Tu n'as pas de coude. Le coude tireur, c'est le coude droit, si je suis droitier. Il n'y a pas de coude. Ça, c'est de la rigolade, ça. Allez, marche arrière. Vite. Faites le même travail, demi-tour, demi-tour. Tournez-moi le dos, en marche arrière. C'est parti. Allez. Allez. Et le coude, il est où? Deuxième forme de travail pour les coachs, les travails par vague, qui vous permettent de faire du renforcement de la chaîne de tir. On est simplement dans ce qu'on appelle des lignes de coordination motrice. Hein. Est-ce qu'ils sont concentrés sur le tirage de coude? Quand on est arrivé là, hop, là-bas, pour le suivant qui est pressé de travailler. C'est parti. Continuez de travailler les joueurs, hein, je parle aux coachs. Les coachs, qu'est-ce que vous vérifiez? Car votre job, c'est de vérifier concentration et intensité. Si le joueur dans cet exercice commence à avoir le poignet qui s'arrondit, c'est une grosse erreur. Et il pourrait tout doucement faire l'exercice comme ça. La clé du basket, dans tous les secteurs, y compris défensifs, c'est les angles. Donc un joueur n'arrondit pas. Vous avez toujours un travail de poignet cassé. Stop! Vous l'aviez déjà fait, vous, face à moi, vite, 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 vite. Vous faites le même exercice en pensant à vos coudes et vous avancez ici. D'accord? Ici, 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 et si vous pouvez tirer encore plus fort. Alternative. C'est parti. Voilà. Les yeux au cercle, vous regardez dans les yeux. Les yeux, je ne veux pas avoir des yeux sur le ballon. C'est pas mal. Tac, très bien, très bien. T'es droitier ou t'es gauchère? Très bien, très bien. Vite, vous attendez. Et concentré, c'est pas parce qu'on monte à l'intensité qu'on n'est pas concentré. Très bien. Oulala, allez, ça c'est bon. Voilà, là on commence à avoir des vrais griffés alors qu'on était en train de travailler que sur le tirage de coude. Hop, marche arrière. Alors on n'est pas dans la... Alors là on va pas rigoler, hein. Oui, bien. Prends ton... Hop, 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 hop. Prends le temps de retrouver ton équilibre. Ton équilibre. Donc on est toujours dans une deuxième approche qui consiste à décortiquer, et là on est en balance, l'équilibre. L'équilibre des prises d'appui. Bien. 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 Bien.
Allez, on finit sa ligne. Il n'y a pas un joueur qui s'arrête avant la ligne. Dans la minute 65, c'est moi. Attendez, les filles. Ouais. Pour les coachs, mais vous savez déjà tout ça pour que vous connaissiez la progression. Face à moi. Face à moi, les joueurs. Fléchis. Vous n'êtes pas fléchis. Le dos là. Dribble. Moi, je suis main droite. Vous êtes tous main droite. Regardez. Je vais lancer mon pied gauche. Retenir ici, droite. C'est parti. Non mais j'entends pas couper avec les appuis. Faut que j'entende le bruit des semelles. Ah, j'entends. Fléchis quand tu vas bien. 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 Ton ballon continue de monter au-dessus de la tête. Comment t'appelles-tu? Où j'ai demandé qu'il fallait qu'il soit le ballon? Là. Fais-le. Tu prendras ton ancien geste quand je ne sais plus ton goal. Ton ballon est au-dessus de la tête. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Top, on s'entraîne. 3, 2, 1, repartez là-bas. À 1, vous devez être ici. C'est comme ça que l'intensité est 3. 3, 2, 1, merci. Vous vous rendez. Vous vous rappelez l'exercice qu'on a mis en place avec les balises? Que c'est fini, moi le coach m'a dit 5 heures, donc j'arrête à 5 heures. Il vous reste une chance de faire, on a travaillé qu'une heure, hein. Une très belle démonstration au coach. Vous vous rappelez ce qu'on a dit derrière les balises, ça met 30 secondes. Tu te rappelles, c'était avec toi, hein. Vite, mets-toi là-bas. Je le montre une fois au coach. L'exercice, ça c'est la balise de tir. Ça cette fois c'est pour travailler un peu plus l'adresse et moins la gestuelle. Ça c'est ma balise de tir. Je dois, balle, accrocher le regard, 45 degrés, rotation, follow ou verrouille. Tu te rappelles? Quand je vais prendre le tir, je vais arriver devant cette balise, soit je reste derrière la balise et j'appelle, et vas-y, et je prends le tir, soit j'arrive devant la balise et j'appelle, et je passe la balise, ou balle, ici. À chaque fois que j'ai pris un tir, je prends le temps de verrouiller ma position. Et sitôt que mon tir est parti et que j'ai verrouillé ma position, repli jusqu'ici, et là j'attends que le joueur récupère la balle et sois prêt pour balle. Tac. 30 secondes de tir, 30 secondes de rebond passe. Quand je dis changer, vous changez. Quand au bout de 30 secondes et 30 secondes, ça fait 1 minute, je dis changer, vous vous passez là, vous là, vous là, vous là. C'est ce qu'on appelle le 3-3 en adresse endurance. Prêt? 3. 2, 1, hop, c'est pas le problème d'un coach de voir le temps qu'il faut pour les joueurs à s'organiser. S'il faut plus de temps à s'organiser qu'à travailler, c'est que les joueurs ne sont pas venus pour s'entraîner. Pour vraiment, si vous voulez, dans l'apprentissage, que les joueurs comprennent que leur mise en route est importante. 45 degrés, ballon qui tourne vers l'arrière, tenir ta position, top, changer. C'est moi qui donne le chronomètre, hein, même si je ne l'ai pas dans ma main pour les coachs. Hein. 45 degrés, ballon tourne vers l'arrière, appel de balle. Verrouiller ou fouetter. Qu'est-ce que je peux
faire dans cet exercice. Top, changez. On change de spot. On change de spot du coup. On change de spot dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est parti. Donc avec cet exercice, vous pouvez tout faire. Beaucoup de joueurs qui chutent ensemble. Vous pouvez faire en travaillant sur les prises d'appui. Vous pouvez faire en travaillant de dribble, sortie d'écran, derrière l'écran. Vous aurez... Top, en centrale, 3, 2, 1. Attention, c'est le dernier exercice. Les deux premiers joueurs, vous êtes un ballon pour deux, qui rentre avec deux paniers réussis extérieurs. Ok. Top. Vous avez vu comme ils ont français? Les deux premiers gagnent $10. $10, 5 boucles, c'est eux les deux premiers. Hein? Mais moi j'ai dit que c'est moi qui vous les donne. Ça t'est visé dans la poche. Deux réussis chacun. Deux réussis chacun, les deux derniers. $20, mais c'est vous qui me les donnez. Ça me permettra de payer ou je veux qu'on gagne. Il y a deux seulement à réussir, c'est pas beaucoup de. Les deux derniers, $20, ça va l'air de vous stimuler. Mais si, pour les coachs, cet exercice me permet de faire la transition et la conclusion, je passe de l'apprentissage de la gestuelle à l'apprentissage de l'adresse. L'adresse, et ça se voit bien pour des filles, comme pour des garçons, c'est d'abord confiance en mon tir. Pour prendre confiance en mon tir, il faut que je sois convaincu que j'ai un bon tir. Pour prendre confiance en mon tir, il faut que je prenne des bons tirs. Qu'est-ce que c'est un bon tir? Quand tu es ouvert, est-ce que ça suffit pour que ce soit un bon tir? Par exemple, si je n'ai pas de défenseur depuis ici, là, je suis ouvert ici, là. Est-ce que ce sera un bon tir? Je suis ouvert. Pourquoi? Trop loin. Donc, qu'est-ce qui caractérise un tir? Il faut que je sois ouvert et dans un secteur où je suis suffisamment adroit. Et parmi vous, il faut que vous acceptiez, d'ailleurs, moi qui suis coach, comme toi pour l'instant, tu n'as toujours pas un bon tir. Quand tu es là, tu vas faire autre chose que tirer. Tu auras droit à ton ticket de tir. Quand tu me dis à maman à la fin de l'entraînement, tu me diras, coach, venez. Je vais vous montrer d'où je suis à droite. Qui c'est qui peut me montrer un spot où il est à droite? Toi? Ça veut dire quoi être à droite? Sur 10, t'en mets combien? 5 sur 10, c'est être à droite, c'est un entraînement? Bah, tu n'en passeras pas avec moi. Vous voyez, vous donnez un contrat, et l'exercice de ce début de séance sur l'adresse, je vous demande de venir me voir en me donnant le ou les spots où vous considérez être raisonnablement à droite. On va dire qu'en dessous de 60% à l'entraînement, c'est pas terrible. Qui connaît un spot où il est à droite? Moi, le tir en course. Je suis à plus de 60%. Donc la première chose que je vais faire dans la sélection de tir, c'est chercher le panier le plus facile, qui est le plus près du cercle. Je ne vais pas continuer pour les coachs. Vous éduquez les joueurs à une gestuelle et vous les éduquez à l'adresse. Et l'adresse, ce n'est pas simplement prendre un tir quand je reçois la balle. Parce que une des choses qui a évolué, et j'en conclue là-dessus, c'est ce qu'on a appelé le catch and shoot. C'est-à-dire que tu reçois la balle et tu tires. Comme peu importe comment tu t'appelles, peu importe si tu as les deux bras coupés, que tu ne peux pas mettre autre chose que des briques, ce fut une des évolutions du geste dit de l'adresse. C'est pas la mienne, et ce n'était pas celle de ceux qui ont dit catch and shoot. C'est catch and shoot quand tu es dans un spot où tu es raisonnablement à droite.
tout à fait la même chose. Sauf que nous avons tenu 4 shoots et tout le monde tire à peu près de partout. Jeunes gens, vous avez été remarquables, je vous remercie. Et je pense que les coachs vont trouver que vous avez été des bons démonstrateurs s'ils vous applaudissent. Est-ce que je peux savoir pourquoi j'ai fait l'objet d'une sanction administrative sur la durée de mon intervention? Parce que je commence à être vieux. Merci. S'il y a des questions, on en a parlé avec Anthony et les collègues cadres techniques. Sauf erreur, il y a une petite vidéo via mon adresse mail. Si vous avez des compléments, on a un site qui vous permet de répondre et on vous répondra à vos questions. J'espère que vous avez enregistrer quelque chose. La seule chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que pour faire passer un message à l'entraînement, il faut la conviction qui vous donne la fierté. Et quand vous avez la conviction et la fierté, vous avez confiance en ce que vous faites. Ce qui n'est pas facile aujourd'hui dans notre société, mais en basket, je peux avoir des convictions et fier de mes convictions, je transmets la confiance en vous. Merci. Bonne saison à tous.